CD ou challenge de la réduction du temps d'attente des navires en rade. Donc, nous avons mis à disposition les données relatives à ce challenge. D'abord, il y a la présentation en français et en anglais de ce challenge que nous avons effectué lors du webinaire dédié à ce challenge. Donc, c'est une présentation qui détaille les différents aspects du challenge et notamment les attentes par rapport aux participants à ce challenge. Il y a aussi un fichier de délai d'attente des navires au niveau des ports gérés par l'AMP. Donc, c'est un fichier qui traite l'ensemble, exhaustivement, l'ensemble des données relatives aux attentes pour chaque navire et pour chaque escale au port. Il y a aussi une présentation dédiée au système de d'amarrage dynamique. C'est un système qui permet d'assurer la continuité des opérations portuaires lors des temps de pluie ou pendant les conditions météorologiques défavorables. C'est un projet pilote qui a été mené au port de Jafsfar. Donc, c'est un projet très inspirant dans cette thématique. Il y a aussi un fichier qui traite les délais d'attente spécialement au port de Jafsfar par cause portuaire ou extra-portuaire et aussi les délais d'attente par type de marchandise au port. Et enfin, il y a une présentation de définitions et indicateurs. Ce sont donc des définitions de base qui concernent le port et les indicateurs de production les plus intéressants. Comme il a dit M. Hesso, donc, ce sont des données que nous jugeons indispensables pour mener ce challenge, mais on est à votre disposition pour vous expliquer davantage ces données ou pour vous fournir davantage de données que vous jugez indispensables pour vos solutions. Et merci. Merci, merci Serra Bouli pour ces éclaircissements. Donc, j'invite tous les participants, si aussi ils ont des questions, surtout ceux qui ont pu analyser et découvrir le challenge, s'ils ont des questions à poser à nos éminents experts qui sont présents avec nous aujourd'hui, donc de procéder à la rubrique questions-réponses. En attendant, Simoane, vous voulez rajouter un mot? Oui, enfin, déjà, je voudrais dire que je suis très heureux que nous puissions poursuivre ce challenge et que nous sommes arrivés à cette étape de découverte des données. Donc, il faut savoir que derrière ces documents, il y a une richesse d'informations très intéressante. Et ça, c'est, je pense, à noter. Je parle en attendant des questions. Hein. S'il y a des questions, je vais. Donc, c'est ça. Donc, il y a une richesse d'informations. Il y a le détail de toutes les escales qui ont été escalées dans les ports de l'ANP, et en particulier le port de Jean-François, mais aussi les autres, avec leur date d'accostage, leur date d'arrivée en rade. Et donc, du coup, on peut, à travers ce fichier, savoir un peu le nombre d'escales qui ont le plus attendu en fonction des marchandises qui sont transportées et aussi en fonction des causes d'attente. Cette analyse des causes, c'est un peu le cœur du sujet, parce qu'on se demande un peu pourquoi à certaines périodes il y a beaucoup d'attentes, dans d'autres périodes il y en a moins. C'est justement, ça fait partie des mystères que les participants pourront analyser en essayant de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a comme ça parfois pour les céréaliers, par exemple, 15 jours d'attente. C'est énorme, 15 jours d'attente, sachant qu'une journée d'attente, ça représente un coût entre 20 000 et 30 000 $. Donc, le coût étant tellement important, les solutions qui pourraient être proposées seront forcément très appréciées et pourront faire l'objet de projets, comme d'ailleurs l'OCP, c'était le projet de l'OCP, l'amarrage dynamique des navires. Donc, c'est un investissement très important qui a été fait par cette entreprise.
parce qu'elle a compris qu'il fallait trouver une solution pour réduire les délais d'attente des navires de l'OCP. Bon, simplement, c'est très, très coûteux, cette solution. Et donc, on aimerait bien trouver des solutions peut-être moins coûteuses et qui couvrent un certain nombre de cas particuliers qui se posent. Merci. Donc, nous avons une première question de M. Khalid Sariri. Donc, la question est la suivante. Est-ce que tous les quais ont le même tirant d'eau au niveau du port de Jarfos? Donc, pour cette question, non. Chaque quai a un tirant d'eau. D'ailleurs, les tirants d'eau ou bien les profondeurs des quais de Port-Jérusalem varient entre une profondeur de moins 6 mètres par rapport au zéro hydro et moins 16 mètres par rapport au zéro hydro. Et chaque quai, donc, il est dimensionné en fonction de la marchandise et des types de navires qu'il reçoit. D'accord. Donc, elle attend d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le panel questions et réponses. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, notamment ceux qui ont pu analyser un petit peu la problématique et qui ont assisté au premier webinaire. Pour ceux qui n'ont pas encore assisté au webinaire de présentation, je les invite à le faire en s'inscrivant sur la plateforme et en accédant au bloc dédié au challenge réduction des délais d'attente des navires en rade. Donc, à l'attente de vos questions. Donc, Monsieur Dib, en attendant les questions, donc, en complément de ce qu'a dit ici le maire Oni, donc, le délai d'attente des navires, c'est parmi donc, les indicateurs les plus pertinents et les plus importants dans un port. Ce délai d'attente, il dépend de beaucoup de facteurs et beaucoup de paramètres entrent dans ce. Donc, pour l'améliorer, on peut agir sur plusieurs paramètres, d'où le caractère général de notre challenge. Donc d'abord, il y a la programmation. Donc, tout ce qui est programmation du navire, si on agit, si on améliore, si on anticipe, on peut agir d'une façon positive sur cet indicateur. Il y a aussi tout ce qui est digitalisation, facilitation des procédures, tout ce qui est donc action sur les procédures, la simplification aussi peut impacter positivement. Toutes les idées, comme l'idée de l'amarrage dynamique, qui peut techniquement améliorer le délai de 6 jours ou bien permettre au quai de fonctionner, améliorer sa disponibilité même dans les périodes des intempéries, peut agir positivement sur cet indicateur. Finalement, toute la logistique en amont ou en aval du port, tout ce qui est organisation des flux, des camions, l'évacuation, aussi peut agir sur cet indicateur et tout ce qui est productivité, amélioration de la productivité de la manutention. Merci beaucoup, Cerso, pour ces éclaircissements. Donc, nous avons aussi avec nous Madame Ilham Bouzida qui pose la question, est-ce que vous avez une application de gestion de quai? Donc, je pense que c'est Maoni bien placé pour répondre à cette question. Oui, je peux bien sûr avec plaisir. Une application de gestion de quai, oui, effectivement, on a une application de gestion des navires et de gestion des ports en général, qui démarre avec la plateforme du guichet unique Portnet. Donc, tous les navires qui approchent des côtes marocaines, ils font un certain nombre de formalités électroniques en ligne. Ça commence par l'avis d'arrivée, pour annoncer l'arrivée du navire au port en question. Et c'est une formalité qui est faite en ligne électronique et qui doit être faite 72 heures avant l'arrivée du navire. Ça rejoint la préoccupation qu'a vient d'expliquer Cerso, c'est l'anticipation. 72 heures avant pour que le port puisse s'organiser, pour que les quais, quand on parlait du quai, on vérifie que le quai soit disponible, que les conditions d'accueil du navire sont prêtes, que les outils de manutention
seront disponibles pour pouvoir prendre en charge le navire. Donc, toutes ces vérifications, elles sont faites avant l'arrivée, 72 heures avant l'arrivée, et, ou même avant 72 heures. En général, ça peut se faire vraiment à l'avance. Et en fonction de ça, il y a une planification qui est organisée avec l'opérateur de terminal pour pouvoir accueillir le navire. Et le système d'information de l'Agence nationale des ports, elle reçoit ces informations en direct, en permanence, et elle met à jour ses prévisions pour pouvoir informer les terminaux, informer les autres organismes qui interviennent dans le port, que ce soit les douanes ou les organismes de contrôle qui doivent effectuer des actions sur les joueurs. On prend l'exemple du céréal. Un céréal, ce qui est assez incroyable dans les céréales, c'est que le Maroc importe des céréales de façon importante en fonction de la récolte. Si la récolte est bonne, on va importer moins. Si la récolte est moins bonne, on va importer plus. Mais toujours est-il que chaque année, on importe quand même des quantités assez importantes. Et les importateurs de céréales, et c'est bien naturel, ils importent au moment où c'est autorisé par la réglementation d'abord. Donc, il y a des fenêtres. Et en même temps, au moment où ils obtiennent les meilleures conditions financières. Et donc, du coup, ils achètent des céréales en grande quantité dans le pays producteur et ils décident de faire une importation. Mais au moment où ils décident leur importation et ils affrètent le navire, ils ne savent pas exactement quel jour il va arriver au port. Et ils n'ont pas organisé l'accueil de ce navire à l'avance. C'est seulement lorsqu'il arrive au port, à ce moment-là, que se décide la priorité. Et le principe de priorité, c'est un des principes très importants dans les ports de l'AFP, et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres ports, ce n'est pas que au Maroc, c'est le premier navire arrivé, prêt à travailler, sera pris en charge. Donc si jamais un navire arrive avec une heure d'avance sur l'autre, c'est lui qui va passer. Donc il n'y a pas cette planification comme on peut retrouver dans les avions. Par exemple, dans l'aviation, un avion qui décolle sait exactement à quelle heure il va atterrir. Contrairement au navire qui, lorsqu'il quitte le pays d'origine, il ne sait pas exactement à quelle heure. Il a sa prévision, mais il n'a pas une garantie que le port va le prendre en charge à une heure donnée. Ce qui fait que souvent, ils arrivent en même temps. Et qui dit arriver en même temps dit goulet d'étranglement. Et sachant que chaque navire, il faut plusieurs jours pour le manutentionner, eh bien, pendant 3 jours, l'autre va attendre. Ce qui fait qu'à certains moments de l'année, il y a 15 navires céréaliers qui attendent en même temps. Alors, ce que je dis pour le céréal, c'est valable aussi pour le charbon, c'est valable pour le reste. C'est valable, c'est un peu la même. C'est-à-dire que comme vous avez dit quais, il y a des quais spécialisés pour les céréales, il y a des quais spécialisés pour le charbon, il y a des quais spécialisés pour les hydrocarbures. Donc, les attentes, elles sont en fonction des marchandises. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. Merci beaucoup, c'est Mahoney, pour cette réponse. Donc, nous avons une deuxième question qui est liée à cette première question. C'est en termes de programmation de l'arrivée des navires, est-ce que le port dispose d'une connexion aux API des flux maritimes? Aux API des flux maritimes? Oui. Dispose de connexion avec toutes les API des flux maritimes, mais je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'elle pourrait préciser un peu de quelle API on parle? Bon, si M. Khalid Sariri peut encore donner plus d'explications, oui, sur les API qu'il souhaite par rapport à sa question. Donc, ça sera la bienvenue. Donc, nous avons encore une autre question. Donc, bonjour tout le monde. L'attente en rade pénalise les importateurs sur le plan financier et commercial et peut causer des dommages aux cargaisons. À qui revient la responsabilité de cette situation, sachant que cette attente entrave la compétitivité portuaire, qui est le facteur essentiel pour le choix porté sur les ports? Donc, la question à M. Hassou, j'imagine. Merci, Sibendib. Donc, l'ensemble des intervenants agissent sur, comme j'ai dit, sur ce délai d'attente. Donc, ils sont bien entendu tous responsables
sur ce délai d'attente et la collaboration entre les différents intervenants peut améliorer ces délais d'attente. Je m'explique. Donc, il y a l'autorité portuaire et les exploitants de l'ensemble des terminaux qui agissent sur ce délai d'attente par la bonne programmation, par l'efficience des systèmes de manutention mis en place, par la facilitation des procédures, etc. Aussi, les chargeurs sont responsables de ce délai d'attente. Ils peuvent aussi participer à son amélioration. Donc, un chargeur qui ne met pas à la disposition les moyens nécessaires pour agir en amont, en aval du port, soit pendant l'import ou l'export, peut aussi pénaliser ce délai d'attente. On a vécu, comme a expliqué dans l'exemple le plus significatif, c'est l'import des céréales. Donc, lorsque un réceptionnaire ne met pas à la disposition les camions en nombre nécessaire ou bien les wagons de train en nombre suffisant pour permettre une évacuation qui est avec des fréquences et des cadences similaires aux cadences de la manutention verticale des portiques, il peut provoquer un goulot d'étranglement. Aussi, l'ensemble des administrations, l'ensemble des qui agissent, qui à l'intérieur des ports, peuvent améliorer ce délai d'attente. Donc, tout le monde, c'est une affaire, d'où l'intérêt de ce challenge, c'est une affaire communautaire où la collaboration de l'ensemble des intervenants peut agir positivement et dans le cas contraire, donc, s'il n'y a pas une bonne concertation, s'il n'y a pas une volonté de tout le monde d'aller pour l'avant et améliorer cet indicateur, donc il n'y aura pas certainement donc, une amélioration de cet indicateur important. Merci, Sesso, pour cette réponse. Alors, si Mohamed, donc, j'ai relu la question de M. Yassir. Il disait « Bonjour, est-ce que votre système d'information est connecté et synchronisé avec les systèmes utilisés par les différents acteurs logistiques ?» Oui, la réponse est oui, absolument. Le système d'information de l'Agence nationale des ports est relié à tous les systèmes des opérateurs logistiques via la plateforme Portnet. Et donc, du coup, il y a des échanges en temps réel sur l'arrivée des navires, le déchargement des marchandises, l'entrée, les sorties, etc. Donc ça, c'est des échanges qu'on a avec chacun des opérateurs en permanence. Donc voilà pour la question. Très bien. Merci. Et en complément à cette question, on a même donc notre système VTS donc il a une portée très large et peut détecter en temps réel les navires qui sont programmés à destination du port de Jorfosfat et voir à n'importe quel instant T leur position par rapport au port, leur vitesse, et tout, etc. Et par la suite, pouvoir prévenir donc, la date de leur arrivée. Alors, j'en profite pour rajouter un point, par exemple, pour les céréales, un truc assez incroyable, c'est que les céréales doivent faire l'objet d'un contrôle phytosanitaire par les autorités chargées de la santé au Maroc, l'ONSA, l'Organisme national de sécurité sanitaire et alimentaire. C'est un contrôle qui doit se faire par échantillon et c'est obligatoire avant l'accostage du navire et le déchargement du navire au Maroc pour des raisons de santé publique. Et cette prise d'échantillon, eh bien, soit elle se fait à quai. Et dans ce cas-là, il faut d'abord que le navire accoste, et ça veut dire que pendant 6 heures ou 8 heures, il va occuper un quai. Et soit il se fait en rade, mais en rade, il faut envoyer une personne à bord pour aller récolter cet échantillon, un inspecteur
ce qui n'est pas du tout pratique pour les inspecteurs de la santé qui ne sont pas des marins. Et donc, du coup, il y a un vrai souci par rapport à cette question de la prise d'échantillons. Donc, ça fait partie des causes d'attente, parce qu'il faut d'abord que chaque navire est accosté pour prendre un échantillon. L'échantillon est envoyé au laboratoire pour faire les analyses, et ensuite la réponse est donnée. Et du coup, ça génère systématiquement des attentes supplémentaires. Donc, on voit au travers de cet exemple des céréales, qui est très parlant, je trouve, qu'il y a des causes liées à la météo. Si, par exemple, il y a un mauvais temps ou le port est consigné. Si le port est consigné, le port est consigné, le navire ne peut pas accoster. Si le quai est consigné, le navire ne peut pas accoster. Si la météo est mauvaise sur la route, il peut prendre du retard. Donc, tout ça, la météo a un impact direct sur les délais d'attente. La programmation, ce qu'on a vu tout à l'heure, si les commandes des navires céréaliers se font en même temps, eh bien, ça génère de l'attente. Et les importateurs ne sont pas forcément prêts à s'organiser en amont pour pouvoir planifier des choses parce qu'ils sont en concurrence. Pourquoi voulez-vous qu'ils se mettent d'accord sur le premier qui va arriver, c'est le premier qui va avoir accès au marché. Donc, ce n'est pas intéressant pour eux de se mettre d'accord. Mais peut-être qu'ils auraient un intérêt à le faire d'une certaine façon, je ne sais pas. Et puis, la troisième cause d'attente qu'on vient de citer, c'est les contrôles sanitaires en particulier, qui peuvent générer des temps d'attente. Donc, tout ça, c'est des causes qui se rajoutent. Et plus, ce qu'a dit Sirso, la manutention, si jamais il y a une panne d'une grue, si jamais il n'y a pas suffisamment de camions aussi pour l'évacuation, ça, c'est une quatrième cause. Enfin, chaque cause, eh bien, génère du temps. Et chaque temps passé, eh bien, c'est de la perte d'argent et la non-livraison pour le client qui attend la marchandise. Merci beaucoup, Simaoni, pour ces éclaircissements. Nous avons une autre question de Nada Fougig qui dit que, à quel niveau se situe le principal blocage qui impacte négativement le délai d'attente en rade? C'est une question très intéressante. Donc, oui, c'est une question pertinente. Seulement, ça dépend de chaque trafic. Donc, par exemple, si on prend le trafic des céréales, donc la cause principale qui affecte la chaîne, c'est cette question d'évacuation des marchandises. Donc, on a des engins de manutention, de déchargement qui fonctionnent à minimum 10 000, 12 000 tonnes par jour, alors que l'évacuation, parfois, ne suit pas. L'idéal, c'est avoir une évacuation de 12 000 tonnes. Et par la suite, donc, ça sera une chaîne fluide. Malheureusement, parfois, on n'a pas, donc pour plusieurs raisons, on a une rupture, donc on a un déchargement à 12 000, alors que l'évacuation, il est à 2 000. Et ça cause donc une cumulation de la marchandise au terminal et par la suite, un arrêt, bien entendu, si on n'a pas une adéquation entre le déchargement et l'évacuation, on aura nécessairement un goulot d'étranglement. Pour des autres trafics, comme le trafic pétrolier ou bien l'export ou l'import des engrais et des besoins de l'OCP, c'est la consignation du port. D'où l'idée qu'a présenté Sylvie Mermouni de l'amarrage dynamique donc pour résoudre ce problème. Donc la consignation du port impacte ce délai d'attente pour ces deux trafics. Par la suite, l'idée, c'était de cette idée qui est donc d'améliorer la disponibilité des quais et les faire fonctionner même pendant des conditions météorologiques qui sont défavorables par l'utilisation d'un système intelligent qui n'est pas classique, qui permet un amarrage intelligent qui permet de maintenir le bateau à quai, mais pendant des houles qui dépassent déjà les
standards en vigueur. Et à chaque donc, type de trafic, il y a des causes qui sont, on peut les classer en fonction de leur degré d'impact. L'essentiel, c'est que si on agit sur un maillon de la chaîne, en améliorant son efficacité, on va agir d'une façon positive sur le délai d'attente. L'idée aussi qu'a présenté Sil Merouni, il y a le contrôle, oui, aussi donc, en citant les projets phares et pilotes qu'on a mis au port de Jatosfat. Donc, il y a cette idée aussi d'utiliser les drones pour le contrôle, la prise des échantillons. Donc, cette utilisation, donc, comme a dit Sil Merouni, déjà, lorsque le navire est accosté à quai, c'est pour travailler, c'est pas pour faire les analyses. Le fait de faire des analyses avant de débuter les opérations de manutention, ça agit sur le délai de 6 jours de navire et puis impacte les autres navires qui attendent. Donc, l'idée, c'était, puisqu'on ne peut pas envoyer des gens au large, des gens qui ne sont pas marins, pendant des conditions météo qui sont défavorables, ça peut impacter leur sécurité. Donc, on utilise les drones, on les télécommande pour aller prendre l'échantillon, contrôler le navire en rade et par la suite économiser ce délai très précieux de contrôle et effectuer les opérations de contrôle pendant que le navire est en rade et pas lorsqu'il est à quai. Merci beaucoup, Serso, pour ces éclaircissements. Donc, nous avons une autre question, c'est de M. Omar Bourhabi qui dit « Ma question concerne l'immobilisation en rade et non pas à quai. Qui assumera la responsabilité pour les pertes financières, commerciales et les dommages à la cargaison ?» Le problème se pose essentiellement pour les cargaisons délicates. Donc, déjà, je peux apporter une première réponse. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de comprendre les problématiques et pouvoir apporter une solution innovante à ces problématiques. Le fait dire on n'est pas là pour chercher qui est le responsable de ce problème ou de ce blocage parce que c'est un travail de coopération, de collaboration qu'on est en train de mener pour pouvoir identifier les points de blocage et y apporter des solutions concrètes. Voilà notre objectif. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question que j'ai vue de M. Chebrec qui demandait de présenter un peu les données. Ça, on peut le faire, on pourrait projeter le fichier d'Excel à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné dans le webinaire pour donner un peu un aperçu de qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fichiers. Ça, on le fera quand vous voulez. Donc, la description des fichiers, elle a été déjà faite par M. Rabouli. Donc, on peut revenir sur l'enregistrement pour la visualiser. Néanmoins, on peut encore partager. Je vais partager mon écran pour que les gens… Si tu peux ouvrir le fichier Excel, le délai d'attente. Comme ça, on va le… D'accord. Celui-là, le délai d'attente des navires. Oui, celui-là, oui. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran, le fichier Excel? Pas encore. D'accord. Et maintenant? Oui, là, c'est bien. Voilà. Donc, je vois qu'il y a 3 pages sur ce fichier. Il y a l'attente par marchandise, l'attente par cause et une feuille où il y a un vrac de données. Qui peut nous expliquer tout ça? Alors, je vais donner quelques indications. Alors, on trouve ici l'ensemble des escales des navires sur plusieurs années. Je crois que c'est 3 ans. Et pour chaque escale, les dates d'entrée
en mouvement, au mouillage, et la date ETA, la Estimated Time Arrival, c'est la date prévisionnelle, et la date début de mouvement, la date réelle de début de mouvement. Et donc, on peut mesurer ici, avec ces dates, le délai d'attente en rade. Et c'est ce qu'on a fait dans les onglets suivants. Et là, on voit aussi la région et le port. Oui. Donc là, dans les onglets suivants, on voit. Alors, il y a une analyse par marchandise. En fonction des marchandises, quels sont les délais d'attente? Par exemple, les céréales, on avait en moyenne en 2020 157 jours. En 2021, 145 jours. Donc, il y a une baisse quand même. Hein, baisse. Les containers, il y a beaucoup moins d'attentes. Mais bon, c'est très sensible, les containers. Donc, quand il y a de l'attente, c'est vraiment un problème. Quand on parle de containers, ça concerne plutôt le port de Casablanca, mais aussi le port d'Agadir. Si on zoome sur le port de Joffre, par exemple, si tu as la possibilité de changer. Par contre, il faut activer la modification, je pense. Donc là, on a perdu le... D'accord. Donc, on peut jouer avec tous ces paramètres pour pouvoir examiner un peu les attentes en fonction des ports, en fonction des marchandises. Voilà, donc c'est surtout les céréales, là, Job. Normalement, il n'y a pas que les céréales. Il y a aussi... oui, voilà, c'est-à-dire qu'à droite, on peut choisir la nature de la marchandise. Voilà, on peut tout choisir, bien sûr. Voilà, on peut tout choisir. Donc là, on a toutes les... Par type de marchandise, les délais d'attente et par année. 2020, 2021, 2022, on voit le délai d'attente. Donc, les plus importantes sont... Alors, l'acide sulfurique, c'est ce qui est, concerne l'OCP, l'Office chirurgien du phosphate, les céréales, donc c'est les céréales. Et puis, il y a des produits industriels, il y a l'essence, il y a différentes matières. Donc, on peut déjà voir ici que c'est surtout sur les céréales qu'il y a beaucoup d'attentes et sur l'acide sulfurique. D'accord. Là où il y a le plus de... Si on regarde l'autre onglet, on va trouver par cause. Alors là, c'est une autre analyse. En fonction de la cause, on essaye de voir quelles sont les causes les plus répétitives. Ces causes d'attente, ce sont des causes qui sont identifiées par les commandants capitainerie de l'ANP qui inscrivent au moment de l'escale quelle est la cause de l'attente. Donc là, on voit par exemple qu'il y a certaines causes qui sont à la demande du consignataire. Quelle raison, ça reste à déterminer. Il y a des causes liées aux attentes d'instruction amateur, des postes liés aux consignations et aux conditions météo défavorables, là aussi. Et puis, l'autre cause aussi qu'on retrouve, moyen de réception indisponible. Donc, ça aussi, c'est assez significatif. Attente de mouvement, attente de priorité. Bon, ce sont des éléments qui orientent un petit peu la réflexion sur les causes d'attente, attente autorité locale, etc. Voilà, en gros, les deux analyses qui ont été faites sont des analyses sommaires qui aident à avoir une idée sur les causes d'attente par cause et par marchandise. Ensuite, libre à chaque participant de faire des analyses un petit peu différentes ou d'essayer de faire des zooms sur certaines choses. Très bien. Merci beaucoup, Simaoni, pour pour ces éclaircissements. Donc, à l'attente d'autres questions des participants. Donc, on a reçu des questions en privé, donc relatives au format de l'édition. Donc, la première question, c'est quels sont les différents objectifs et les enjeux de cette édition? Donc, cette édition du Hackathon Smart Port Challenge vise à sensibiliser la communauté portuaire et du commerce extérieur. D'un côté sur les enjeux de l'environnement et d'un autre sur les difficultés qui entravent le transit portuaire de bout en bout. Donc, deuxième question, comment peut-on faire pour participer? Donc, le hackathon se déroulera entièrement sur une plateforme en ligne, celle que je viens de partager avec vous sur le chat. Donc, premièrement, les candidats peuvent s'enregistrer sur la plateforme et créer un compte. Deuxième point, il faut s'organiser en groupe de travail sur la plateforme. Troisièmement, il faut créer une page projet et préparer un document descriptif et une présentation qui ne dépasse pas 5 minutes, maximum 10 minutes, 5 minutes par pitcher.
et par la suite publier le projet. Voilà. Après cela, une commission va examiner l'ensemble des projets et va choisir quels sont les projets finalistes. Nous avons aussi une autre question. Donc, quels sont les critères de sélection des projets? Donc, les critères de jugement des gagnants sont quatre critères principaux. Le premier, c'est que la solution doit être sensible à la communauté portuaire et centrée sur le client. Donc, ce critère-là, il est sur 5 points. Donc, il doit y avoir un esprit communautaire créant un intérêt partagé entre toutes les parties prenantes impliquées dans la solution. Donc, elle doit répondre aux défis clairs auxquels sont confrontés les clients des ports. Donc, le deuxième critère, c'est que la solution doit être orientée affaires et commerce. Donc, cette solution doit être commercialement viable et doit viser à améliorer la qualité des services aux entreprises, à réduire les risques et ou à optimiser le temps et le coût inhérents à la conduite du commerce international. Troisièmement, cette solution, bel et bien sûr, doit être innovante et durable. Donc, elle doit faire preuve d'une approche innovante pour résoudre les problèmes concrets qu'on est en train de poser et doit viser à être durable à la fois en termes de réflexion à long terme et de respect de l'environnement. Donc, le quatrième critère, c'est la solution doit avoir une haute valeur ajoutée, donc elle doit démontrer une forte valeur ajoutée pour les clients du port. Voilà pour cette question. Donc, il y a une question donc, qui concerne l'enregistrement sur le site. Oui. Donc, je ne la vois pas sur les questions-réponses. Où est-ce que vous... Oui. Alors, il y a une question que j'ai vue là sur le... Tu demandais, c'est les 325, est-ce que c'est des heures ou des jours? Ce sont des heures. Pas des jours. Pour les céréales. D'accord. Des informations en heures. On peut diviser par 24 pour avoir le nombre de jours, mais c'est des informations en heures. Donc, pour la question de monsieur qui s'est enregistré sur le challenge, j'ai reçu un message jaune. Veuillez vérifier votre adresse électronique dans les 7 jours. Normalement, lorsque vous ouvrez un compte sur la plateforme, vous recevez automatiquement un message pour valider, pour qu'on s'assure que c'est bien un compte réel et qu'il s'agit d'une personne réelle avec une boîte aux lettres réelle. Donc, ce qu'on fait, c'est que automatiquement, la plateforme envoie un mail à la boîte à lettres avec laquelle vous êtes inscrit. Normalement, vous allez recevoir un message. Si vous le trouvez pas sur votre boîte aux lettres principale, veuillez vérifier sur la boîte aux lettres dédiée au spam. Donc, vous pouvez retrouver le message là-bas. Sinon, vous pouvez refaire le processus. Si ça ne résout toujours pas le problème, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail que je vais partager dans le chat. Et qui est disponible aussi sur la plateforme. Et comme ça, je vais vous résoudre le problème. Voilà. N'y a pas Donc, nous avons... d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Quelles sont les causes principales qui poussent un consignataire à demander un délai d'attente? Ouais. Ah, peut-être Sirsou. Comme on a dit, donc c'est pas ce qu'il demande un délai d'attente, mais parfois. Le navire se présente en rade, mais pour des raisons diverses, il ne commande pas l'accès pour appareiller au quai de destination. Il y a plusieurs raisons. Il y a parfois quelques documents nécessaires pour le déchargement ne sont pas disponibles, ou bien la marchandise n'est pas, dans le cas de l'export, la marchandise n'est pas disponible
sur le terminal, donc il n'y a pas de raison pour qu'il accepte, il ne travaille pas et attend la marchandise, ou bien pour des autres raisons qui ne sont pas des raisons portuaires. Donc, effectivement, c'est un choix donc, du consignataire de commander en nom. Donc, si le navire est prêt, c'est la marchandise est prête, donc il accepte. Sinon, donc, on attend un document ou bien quelque chose, le bateau reste en rade. Merci, Sierso, pour cette réponse. Donc, il y a une remarque qui vient de M. Hanin Tazi, donc en disant que les 325 heures, cela représenterait 13,54 jours. Le calcul des moyens lisse les pics d'attente qui sont bien plus élevés. Effectivement, le calcul des moyens lisse les pics d'attente, mais cela, c'est juste un moyen pour faciliter la lecture des données et donner une idée globale sur les délais moyens. Par ailleurs, vous pouvez toujours accéder au détail réel dans la feuille 1 et vous pouvez vous-même chercher les pics et les heures de pic constatées. Donc, j'ai une autre question qu'on avait reçue. Quelle est la récompense prévue pour cette édition? Donc, pour cette édition, pour chaque challenge, il est prévu un prix de 100 000 dirhams pour chaque gagnant. Et les 100 000 dirhams, ils sont là juste pour récompenser les efforts et le temps consacré à la résolution de ces problèmes. Mais les participants, pour moi, le plus grand prix, c'est qu'ils auront l'occasion de présenter leurs solutions devant une communauté portuaire, maritime et logistique nationale et internationale durant la conférence internationale des guichets uniques qui sera organisée à Marrakech. Donc, une autre question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu une question de l'IS qui voulait présenter un fichier. Je ne sais pas si Rim, tu pourrais l'autoriser à partager son document. Une analyse. Rim? Oui, monsieur Mahouni. Est-ce que vous pourriez autoriser l'IS Chebrek à partager un document? Ok. Je vais la promouvoir en tant que panéliste. Merci. Oui, Elias, je pense que tu es. Okay, sir. I think that. Oui, je pense que c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Can you hear me now? Oui. Yes, we can hear you. Great. Okay, donc je vais mettre rapidement mon écran. So I'm going to share with you my screen now. C'est bon. Alors, donc, ce que je voulais dire et ce que je voulais partager. Tout d'abord, would like to share with you, first of all, la base de données qui a été mise à disposition. Which is at the disposal of everyone made by the organizers of the challenge. This database is interesting. I would encourage you to have a look at it and to use it. There are many information that you can use to suggest and to organize your work. Just 1 second. We can hear French and English at the same time. What's the problem?
Rim, vous entendez? Oui, il y a Rim, un problème. Rim, can you hear me? There is a problem here. On peut arrêter la transcription en français. We can just stop the transcription in French. Mais on entend toujours la transcription en anglais. We can hear the English transcription all the time. Je vais voir tout ça. Okay, I'm going to fix this. To fix it now. Je crois que c'est bon. I think that it's okay now. Non, toujours pas. On entend toujours l'anglais. Maintenant? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Yes, vous pouvez. What about now? What's about now? It's okay now. Not yet. Je ne sais pas qui s'occupe de la transcription, mais je ne sais pas ce qui se passe. On peut arrêter la transcription pour l'instant. We can just stop transcription for now. Okay. Let's do it. Okay. Yes. Donc, je vais essayer de le faire ici. Le faut, je peux le faire en anglais aussi. Donc, le message à passer au candidat, c'est que l'information, elle est très riche. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai rapidement pris les données et j'ai filtré par les causes. Donc, sur le premier pivot, vous voyez que j'ai filtré par les causes des attentes. Et je les ai filtrées aussi, je les ai colorées par les 10 plus importantes. Et à côté, j'ai mis aussi la moyenne des attentes. Et c'est pour un petit peu guider les candidats à se focaliser sur les problèmes qui sont les plus répétitifs et qui causent le plus de problèmes. Ceci dit, peut-être une explication ou peut-être des définitions, il y en a 39 raisons différentes. Peut-être, qu'est-ce que ça veut dire, attente de feu vert, ou bien, quelques-unes sont claires, mais quelques, peut-être pour les gens qui ne sont pas assez familiers avec le port. Là, j'ai pris le port du Jorflaswar parce qu'on a M. Hessou avec nous, donc peut-être qu'il pourra apporter des clarifications. Mais ceci dit, vous voyez, à titre d'exemple, il y a 143 demandes, 143 navires qui ont été classifiés mouvement navire, et ça représente en heure une centaine d'heures en moyenne. Donc, généralement, c'est ça les plus grands contributeurs au délai. Et vous pouvez les faire aussi par type de navire et vous voyez une distribution un peu différente. Donc, si on focalise sur les vraquiers, donc on peut regarder qu'en moyenne, c'est une centaine d'heures. Ça dépend comment on voit la procédure. Sur les marchandises, la même chose. Vous avez par exemple le blé qui a en moyenne 150 heures d'attente, mais il n'y a que 39 navires. Est-ce qu'il faut se focaliser sur 39 navires? Ou bien, comme a dit M. Mahoney, 127 navires d'acide sulfurique qui représentent à eux au moyen 126. Donc, si on fait la multiplication des deux, on a le plus grand contributeur, ainsi de suite. C'est dans ce sens que je voulais intervenir. Et par exemple, il y a un navire qui a fait 393 heures d'attente, mais il n'y a qu'un seul navire. C'est une exception. C'est des choses qui arrivent. Donc, peut-être ne pas se focaliser sur ce type de navire, mais plutôt voir les navires qui génèrent le plus d'attente. Et voilà, donc c'était une toute petite contribution. Moi, je peux mettre ça à votre disposition. Vous pouvez le faire vous-même. C'est juste une pivot. Mais à peu près pour guider et vous aider un peu à faire une analyse des informations qui ont été mises à dispo. C'est super riche. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Et s'il y a des questions, vous veuillez les poser et on essaiera de vous guider et de vous accompagner dessus. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Monsieur Mahoney. Merci beaucoup, merci et merci Lies pour votre assistance. Vous êtes, on a la chance d'avoir avec nous des experts qui peuvent donner des éclairages ou vous assister si vous avez des questions. Donc merci beaucoup. Moi je dirais que bon, il y a des causes très très qui sautent aux yeux comme les céréales qui sont très importantes qui peuvent faire l'objet d'une analyse ciblée. Il y a aussi les causes liées à la météo qui peuvent aussi faire l'analyse parce que là, c'est des quantités quand même importantes. Et puis, bon, il y a plein d'autres petites choses qui peuvent générer de l'attente, plus ou moins importantes. Enfin, on voit les grèves des marins. Bon,
arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça peut générer des attentes. Les moyens de réception indisponibles. Bon. Moyens d'évacuation aussi, qui peuvent aussi générer des attentes. Donc, il y a beaucoup de causes. Maintenant, il suffit de se focaliser, faire un focus sur l'une d'elles pour essayer d'en savoir plus et de comprendre de façon plus approfondie l'origine et comment on pourrait y remédier. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce challenge. Merci, Yassine. Oui. Oui, en complément, donc c'est une analyse très, très intéressante. Je remercie pour ce travail. Donc, effectivement, sa suggestion, sa proposition est pertinente. C'est d'essayer d'expliquer chacun des causes pour que ça soit pour les gens non habitués au jargon du portuaire. On va essayer de définir donc l'ensemble de ces causes, surtout les choses qui ne sont pas très claires. Aussi, donc, il a posé une problématique très intéressante. C'est qu'il y a la moyenne, mais il y a le nombre de navires. Parfois, la moyenne est importante. Donc, la moyenne d'attente est importante. Et parfois, donc il n'y a qu'un seul navire qui subit donc l'attente et une attente énorme. Donc je dis que les deux axes sont intéressants. Donc même si on a une moyenne qui n'est pas très grande, mais un seul navire ou bien un nombre limité de navires subissent des attentes énormes, c'est un problème parce que ce client qui a subi cette attente énorme et qui a subi par la suite donc un impact financier très, très important et peut-être au-delà de l'impact financier des autres impacts. Donc, on doit résoudre ce problème. Ce n'est pas une question seulement de moyens. Pour Sihanine Tazi, donc effectivement, vous voyez que c'est pas important. Donc la moyenne en heure, c'est pas très très grand pour les céréales, parce que justement un nombre limité de navires qui subissent en temps normal, il n'y a pas de problème. C'est surtout pendant la grande saison qui pour des certaines raisons fiscales, de fiscalité sur la marchandise et l'impôt et tout ça. Donc, il y a une pression énorme enregistrée généralement pendant les mois septembre, octobre et aussi pendant le mois d'avril, mai. Et il y a donc un nombre limité de navires qui sont programmés pendant cette saison qui subissent ces attentes. Mais en temps normal, c'est pratiquement une attente nulle en rate. Merci beaucoup, Serso. Donc, on va prendre une dernière question parce qu'il ne nous reste que quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Donc, c'est de Ilham Bouzida. Donc, est-ce que les équipements de manutention, camions et grues, sont identifiés et gérés sur une base de données? Oui, bien sûr. Donc, les engins de manutention, oui. Donc, les engins de manutention, donc, ils sont bien gérés. Ils ont une productivité qui est connue. Ils sont suivis et par l'exploitant du terminal, mais aussi par l'autorité portuaire. Il y a sur les contrats de concession des différents terminaux des exigences en matière de productivité, donc des engins de manutention qu'on doit bien entendu suivre et vérifier est-ce qu'ils sont respectés. Maintenant, pour l'évacuation, donc Georges Sfar, il a la tour que quand même 80% des marchandises sont évacuées par des moyens continus, c'est-à-dire soit des convoyeurs, soit des pipelines. Donc, et ça permet donc une chaîne continue de manutention.
mais il y a quand même plusieurs trafics qui sont évacués du port par camion ou par wagon. Donc, cette gestion, donc, elle est assurée par des systèmes, bien entendu, d'information. Il y a plusieurs projets qui sont mis en place, tels que la gestion des accès numérisés, donc, qui est mise en place, où on gère les accès de l'ensemble des camions, des wagons au port par un système digital qui permet aux gens d'anticiper, de faire toutes les formalités, de programmer les rendez-vous, donc d'évacuation des marchandises online. Et ça, et tous ces projets mis en place de digitalisation, de facilitation, ils ont agi positivement sur la fluidité de la marchandise et par la suite sur le délai d'attente des navires en rade. Donc, c'est une question très intéressante puisque donc, déjà, on sent que les participants commencent à mettre le doigt sur là où on peut agir, oui, sur les systèmes d'information, améliorer tout ce qui est système d'information, communication des données, anticipation des opérations portuaires, facilitation et tout ça, ça impacte. Oui, en agissant sur la productivité de manutention, on va agir. Là, sur la manutention, il y a une question très importante aussi pour essayer donc d'attirer l'attention des participants. C'est que plusieurs marchandises ne peuvent pas être déchargées pendant s'il y a la pluie. Donc, tels que les engrais, les céréales, etc., etc. Donc, déjà, avoir une idée pour permettre la continuité de manutention pendant la pluie, ça peut agir considérablement. Comme j'ai dit, tout ce qui est amélioration de la disponibilité des quais et des terminaux et réduction de la consignation due aux intempéries, là aussi, ça, c'est une question intéressante qui peut agir positivement. Donc, c'est un sujet vaste, les systèmes d'information, les processus techniques, la facilitation, la bonne programmation, l'anticipation, donc l'échange d'idées, l'échange d'informations, tout ça, donc, sont des domaines et des thématiques qui peuvent être traitées et par la suite donner des idées intéressantes pour pouvoir résoudre ce problème de délai d'attente. Donc, merci Sahsou pour ces éclaircissements. Dans la continuité de votre réponse, donc, M. Nounil Bachir demande, parce que vous avez évoqué la notion d'évacuation, donc il veut avoir plus de détails sur cette notion d'évacuation actuellement à 2000 tonnes. Donc, il y a aussi M. Nounil Bachir qui demande, est-ce qu'il y a aussi une relation entre les challenges des camions et celui des navires, où ils sont indépendants et peuvent être optimisés d'une façon séparée? Parce que, oui, comme vous savez, il y a un challenge, le challenge de réduction de délai d'attente des navires en rade. Il y a aussi un autre challenge que nous avons inscrit dans ce hackathon, c'est celui relatif à la fluidification des flux des camions. Oui, effectivement. Donc, il y a une relation. Donc, le délai d'attente, c'est un sujet général. La fluidification de l'évacuation est un maillon donc, qui est très important, comme j'ai dit, et bien entendu, au port de Casablanca. Donc, déjà, au port de Casablanca, si on calcule le pourcentage de la marchandise évacuée par camion ou bien par wagon, il est très, très important. Alors que, déjà, comme j'ai dit, au port de Jorge Sfar, il y a un atout important, c'est que seulement une quantité d'environ 20% du trafic qui est évacué par camion ou par wagon. C'est pour ça qu'au port de Jorge Sfar, on a voulu choisir la thématique générale, qui est le délai d'attente des navires en vrac, qui est très importante pour le vrac. Et au port de Casablanca, puisque cette problématique de camion est très, très importante et influente,
du point de vue qualité de service au facteur pauvre, mais aussi du point de vue environnemental et tout ce qui est nuisance sur la ville, etc. Donc, ils ont choisi de zoomer sur ce facteur très important au cours de Casablanca. Merci beaucoup, Sersou. Donc, je pense qu'on va prendre une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Donc, la question est un peu plus globale. Donc, c'est de Nada Fougig qui demande, au niveau de l'organisation portuaire et en fonction des parties prenantes, deux optiques paraissent contraignantes. La première optique, c'est de sécurité et de contrôle qui est consommatrice de temps. Et la deuxième optique est la performance qui vise la réduction du délai d'attente en rate. La question est la suivante. La digitalisation a-t-elle un impact concret sur le degré de consultation entre ou d'échange entre les parties prenantes et cette question de délai d'attente en rate? Je pense que la question est à vous, M. Mahoney. Oui, effectivement, effectivement. Alors, la digitalisation, c'est sûr, a un effet positif sur l'amélioration de la performance portuaire et du délai d'attente en particulier, parce que le principe, c'est d'avoir l'information en temps réel sur à la fois les prévisions, à la fois les réalisations, et pouvoir donner la possibilité aux opérateurs de prendre des décisions en continu, en temps réel. Maintenant, ça n'empêche que ce n'est pas forcément suffisant, parce que si jamais tous les navires arrivent en même temps, eh bien, même s'ils sont informés, peut-être qu'ils voudront quand même arriver en même temps, parce qu'ils vont dire, bon, j'ai trouvé un bon deal entre guillemets, donc je vais quand même commander mon navire et il arrivera en même temps que l'autre. J'accepterai quelque part l'attente, ou même je suis prêt à accepter une attente. Maintenant, il y a différentes manières de réaliser la digitalisation, et la question qui se pose, c'est comment arriver à faire une digitalisation, on va dire, de bout en bout. Ça, c'est plus difficile parce qu'il y a certains aspects qui échappent parfois à l'organisation du port. L'arrivée des navires, eh bien, on ne peut pas leur imposer une arrivée à certaines dates ou à certaines heures. Il y a des négociations par rapport à ça, et il y a leur propre planification des choses. Donc, c'est vrai que la digitalisation, c'est un vrai atout, mais n'empêche, on peine encore aujourd'hui. Alors, ce n'est pas qu'à Casablanca. On voit à Los Angeles, il y a des délais d'attente qui sont très importants. Dans d'autres ports très modernes, c'est le cas aussi. C'est peut-être une organisation de la chaîne logistique qui n'est pas suffisamment intégrée. Voilà, c'est ça qui nous manque. Et peut-être qu'il y a des idées qui vont émerger dans ce challenge pour pouvoir améliorer cette chaîne. Allô? Oui. Pardon. Voilà, j'ai fini, si moi. Merci beaucoup, Simaoni. Donc, merci tous pour vos questions. Merci à tous les participants pour les questions. Merci pour votre intérêt et pour vos questions très pertinentes et qui rassurent, en fait, parce qu'on comprend qu'on est sur la même longueur d'onde et que nos problématiques sont en bonne main. Je remercie aussi M. Hassou, M. Maouni, M. Lies, M. Rabouli pour les réponses qu'ils ont apportées à tout le monde. Et je vous promets que vous pouvez toujours poser vos questions sur la plateforme. Donc, vous pouvez toujours accéder à la plateforme et poser vos questions aux personnes qui ont été présentes aujourd'hui ou bien à d'autres personnes, à d'autres experts qui sont mis à votre disposition. Je vous rappelle que le délai pour postuler vos projets est le 19 septembre à minuit. Donc, je vous invite vivement à vous enregistrer si vous ne l'avez pas encore fait, à préparer vos projets, une présentation et un document descriptif suffisent pour bien présenter votre projet au comité de jury. Donc, je vous rappelle qu'un prix de 100 000 dirhams est prévu pour chaque projet gagnant. L'équipe gagnante aura aussi l'occasion de présenter son projet devant une audience rassemblant les professionnels des domaines portuaires, logistiques et maritimes venant du monde entier. Donc, vous serez aussi accompagné d'éminents experts durant toute la durée du hackathon. Je vous souhaite bonne chance et je reste à votre disposition à travers la plateforme pour répondre à toutes vos questions. Encore une fois, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bonne chance. Merci, merci, bon Sersou.